Merci.
Mea culpa, mea maxima culpa. Si yo recuerdo de la María de San Bernardino, la República de la Santa Cruz, la Cristo, el San Corpo, sus pesos, el Colombo, el San Cervos, la Fertes de la Alta Mera, el Bien Nuestro. Misericordia, tu mi potente, Dios, en mis espicatis, tu mis perducati, abitan eterno. Amén. Misericordia, mi potente, viato Mari, mi San Bernardino, viato un querido, arcangelo, viato un lo Cristo, son pisatos con escrito de Paulo, omnibus son pisatos, pater, Gloria Patri et Filio, et Spiritu Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Rota Pater Celi, et nobis pluribus iustum. Aperiat ut erat, et termine salvatorem. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Deus quide beate Maria, Virginis utero verbum tuum, adjunciante carnem suscipere volibus te, presta supplicibus tuis, ut qui vere eam genetricem Dei credimus, eius apote intercessionibus adium per vos, per omnem laborem nostrum Iesum Christum filium tuum, et te convigre d'agna trinitate spiritus sancte Deus, per omnia secola seculorum. Amen. Oremus, presta quismus omnipotens Deus, ut redemptionis nostre ventura solemnitas et presentis nobis et vitae subsidia confera, et eterna beatitudinis premia gratiatum. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivere te nativitate spiritu sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.
L'exercice est aidé et profite. In Diego Silis, locotus est dominus ad acats vicens, pete tibi signum ad domino deo tuo. In profundum inferni, si vine excelsum sopra. Et dixit acats, non petam et non tentavo dominum. Et dixit, audit ergo domus David, non quid parum vobis est, molestos esse omnibus, quia molesti estis, et Deo meo. Propter hoc David dominus ipse, vobis sedium. Ecce virgo concipiet, et pariet filium, et vocabitur nomen eius Emmanuel. Butirum et meo comedet, uciate vobare, malum et divigile vorum. Deum gratias. Tolite, potens, principes, vestas, et lemini,
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Dominus vobiscum, cum spiritu tuo, sequentia sancte evangelii secondo Lucam. Gloria tibi, Domine, venire tempore, missus est angelus gabria, ad eucivitatem gladiae, cui in nomine de Nazareth ad vicinem dispostatam viro, cui in nomine de Joseph de Dono David, et nomen Virginis Maria. Et ingressus angelus, a team dixit, ave gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Vincum mortis et turbatas in sermonius, et cogitata clarices et ista salutatio. Et ait angel Dei, ei, ne timeas Maria, in veniste in gratia napo Deum ecce concipies in utero et aries filio, et vocabis nomen eos Iesu. Hic erit maius et filius altissimi vocabis tuo, et abet ille Dominus Deus, sedem David, patris eius, et enabot in novo Iacob in aeternum, et en ius unirit filis. Dixit ante Maria ad angelum, cum ovos fiat Christus, quonam vir non conosco. Et respondens angelus dixit ei, Spiritus Sanctus superbi ante te, et vitus altissimi homum rabit et tibi. Idio qui et quod nascetur ex te sanctum, vocabitur et filius Dei. Et ecce Elisabeth, cognata tua, et ipsa concipit filium in senecto te sua, et hic mensis sectus est tibi, quae vocatus sterilis, quia non erit impossibile apo Deum omnipotentem. Dixit ante Maria, et ancilia Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Mm-hmm.
Juste un petit mot, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers fidèles, comme j'avais dit déjà il y a quelques dimanches, le premier dimanche d'Avent, je pense, que l'Avent est éminemment un temps marial. Et c'est pour ça cette messe qui est permise par l'Église, et la dévotion développée selon les régions. Par exemple, en Allemagne et en Pologne, j'étais là comme missionnaire. En Pologne, on pouvait dire la messe tous les jours de l'Avent quand il n'y avait pas une autre fête. Donc ça se faisait. En Belgique, il y avait encore une coutume qui permettait une fois par Avent, donc c'est maintenant le mercredi des quatre temps. Alors, comme vous avez compris, c'est que Marie garde la lumière dans son sein, la lumière du monde. Il y aura une fête de la lumière, c'est quand il sera né, il sera présenté au temple et reconnu, ce sera la chandeleur, la lumière que la Marie présente au monde. Mais maintenant, la lumière est cachée dans son sein. C'est par la Sainte Vierge Marie que le Fils de Dieu a voulu devenir homme et venir sur terre pour nous sauver. C'est par la Sainte Vierge Marie que Dieu a voulu sauver les hommes, venir. C'est le chemin qu'il a choisi. Et puisque Dieu est immuable, il ne change jamais, et il fait les choses parfaitement, Saint Louis de Montfort dit que ce que Dieu a fait une fois, il le fera toujours. Donc à chaque fois que Dieu vient sur terre pour sauver les hommes, il fera ça par la Sainte Vierge Marie. Donc bien sûr, il est venu une fois physiquement, mais par la Sainte Vierge Marie, mais comme je vais aussi expliquer un autre dimanche, c'était le premier dimanche aussi, c'était lors des trois venues. Notre Seigneur Jésus-Christ, la première venue c'était physiquement, la deuxième c'est spirituellement, la troisième c'est en tant que juge. La deuxième, la plus importante, c'est le but des deux autres. C'est la venue spirituelle de notre cœur. Donc à chaque fois que Jésus vient sur terre, cette fois-ci, de notre cœur, en commémoration de la venue physique et en vue de la venue en tant que juge, il vient par la Sainte Vierge Marie. Il vient toujours par la Sainte Vierge Marie. Marie, c'est la voie normale par laquelle Jésus vient sur terre, par la Sainte Vierge Marie. Donc de notre côté, c'est donc très important d'avoir une dévotion à la Sainte Vierge Marie pour bien trouver notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il faut avoir une bonne dévotion à la Sainte Vierge Marie, et de mieux qu'on a une dévotion à la Sainte Vierge Marie, de mieux qu'on trouve notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est par elle qu'il vient, et c'était la voie parfaite, et elle va nous donner parfaitement Jésus-Christ, elle va nous se préparer aussi à sa venue. Elle nous prépare quand nous ne sommes pas dignes, parce que ce qui doit être préparé, c'est ce qui n'est pas encore prêt. Ce qui n'est pas encore prêt pour recevoir quelque chose de précieux, doit être préparé. Eh bien, comme je vous ai encore fait d'autres fois, les derniers siècles, la Sainte Vierge apparaît sans l'enfant Jésus, parce que nous ne sommes pas dignes de lui, nous sommes par les péchés qui sont allés en avant, n'est-ce pas, parmi les siècles, après le temps du Moyen-Âge, où le temps était plus ou moins chrétien, n'est-ce pas, il y avait aussi des hauts débats, mais il y avait quand même, Jésus régnait sur terre, tout le monde avait la foi, même si pas tout le monde était des saints, pécheurs, plus ou moins grands ou petits, il y avait des saints, mais en tout cas, tout le monde, pratiquement tout le monde avait la foi. Et après, il y a eu donc temps d'apostasie, et alors on n'est plus digne de Saint Jésus-Christ. Et la Sainte Vierge vient sans l'enfant. Donc là encore, la Providence, parce qu'elle n'apparaît pas sans la Providence, c'est la Providence qui veut cela. Elle nous prépare dans toutes ces apparitions. À Lourdes n'est pas Jésus, à Fatima n'est pas Jésus, à Rue du Bac non plus, etc. Donc à Pont-Main, elle va montrer Jésus, mais sur la croix, crucifié, n'est-ce pas? C'est pas un petit bébé, mais c'est Jésus crucifié. C'est encore un signe qu'on a crucifié, n'est-ce pas? Parce que ce sont les péchés qui crucifient le Jésus-Christ. Alors, donc, la Sainte Vierge,
c'est très important, la dévotion à la Sainte Vierge. Et la dévotion la plus parfaite, c'est celle proposée, résumée, synthétisée par Saint Raymond de Montfort. Il y a un livre réédité qui s'appelle « Livre d'or », justement, avec toute cette explication de la dévotion, et après, la deuxième partie du livre, c'est des exercices de piété, selon la Sainte Vierge Marie. Donc, la plus haute dévotion, c'est de faire tout par, pour, en et avec Marie, pour le faire plus parfaitement, par, pour, avec et en Jésus-Christ, bien sûr, qui est la voie vers Dieu. Je suis la voie de Jésus-Christ. Donc, il y a il y a un acheminement, n'est-ce pas? Dieu est le but, le médiateur, le médiateur, c'est Jésus-Christ, mais entre nous, dans Jésus-Christ, pour avoir une dévotion parfaite, imitation parfaite, une compréhension parfaite dans Jésus-Christ, il y a la Sainte Vierge Marie. Et entre nous, la Sainte Vierge Marie, il y a tous les saints. Tous les saints, vous pouvez avoir une dévotion pour un saint, de plus, dévotion à la bonne. Allez-y, c'est très bien, Dieu veut que nous vénérons les saints, mais toute grâce qu'un saint peut vous donner, il doit lui-même le demander à la Sainte Vierge Marie. Et la Sainte Vierge Marie obtient tout de son fils, mais son fils ne lui refuse rien. Pourquoi? Parce que tout ce qu'elle demande, c'est la volonté de Dieu. Elle est toute en Dieu, elle est toute divinisée, n'est-ce pas? Elle demande que des choses que Dieu veut nous donner, mais elle demande en tant que mère. Donc c'est beaucoup plus délicat, c'est beaucoup plus tenant compte des circonstances et des besoins, donc c'est beaucoup plus approprié à nous que si nous allions par nous-mêmes. Il y a plusieurs images, n'est-ce pas? Par exemple, la lune, la lumière de la lune, c'est la lumière du soleil, mais reflétée. Mais on peut pas voir dans le soleil, qui représente Dieu, n'est-ce pas? On ne peut pas voir Dieu, Dieu est trop fort. On ne peut pas voir Dieu, mais si on passe par la Sainte Vierge Marie, on peut voir Dieu. On peut voir la lumière du soleil sans briller nos yeux. Donc c'est une image des Pères de l'Église pour montrer comment la Sainte Vierge nous rend l'accès à Dieu plus facile, approprié, adapté à notre faiblesse humaine. Donc la voie parfaite. De notre côté et de celle de Dieu. Dieu aussi ne demande pas mieux qu'on vient à lui par la Sainte Vierge Marie. Elle n'est pas un concurrent, au contraire, c'est elle qui est la voie. Parce que dans l'Église, vous pouvez voir, là, il y a la statue du Sacré-Cœur et là, la statue de la Sainte Vierge. Où est-ce que je vais aller? Je vais aller chez Jésus ou chez Marie? Mais c'est une fausse représentation. Et si vous allez chez Marie, vous allez à Jésus, mais de manière plus parfaite, parce que dans son cœur, dans son âme, Jésus est beaucoup plus parfaitement que si vous alliez par vous-même vers le roi. Si vous êtes présenté par la reine, il va vous accueillir beaucoup plus chaleureusement que si vous allez de votre propre initiative, n'est-ce pas? Quoique Dieu est bonté infinie, mais Jésus est homme, mais il est aussi Dieu. Et voilà, il y a Dieu dans Jésus-Christ et qui nous rend quand même totalement infiniment distants de lui. Et on n'a pas ce problème avec la Sainte Vierge Marie qui est 100% homme. Voilà, il y a beaucoup à dire sur la Sainte Vierge Marie, et le Père d'Église dit jamais assez, dit la Sainte Vierge Marie, donc ne craignez pas d'épuiser la dévotion à la Sainte Vierge Marie. Parce qu'elle est tellement pleine de grâce et divinisée, qu'elle a tellement de choses à nous donner et à nous montrer, elle sera toujours au-dessus de nous, elle aura toujours des choses à nous apprendre que nous ne connaissons pas encore. On ne va jamais l'égaler. Et elle veut donner, puisqu'elle est mère. Nous sommes des enfants et mère donne la vie, et l'éducation, la nourriture, et veut que l'enfant arrive à l'accomplissement de son être, qu'il a reçu d'elle, par elle. Eh bien, la Sainte Vierge ne demande pas mieux de donner. Elle se plaint rue du bac qu'on ne demande pas assez. Donc, demandez-lui beaucoup plus que jusqu'à présent, demandez-lui tout ce qu'elle veut vous donner. Et ce sera beaucoup plus que vous pourriez imaginer. Elle connaît plus, mieux que nous, nos besoins et nos faiblesses. Elle est beaucoup plus puissante que nous envers Dieu pour obtenir des grâces. Voilà, donc une grande dévotion à la Sainte Vierge Marie pour mieux recevoir l'enseignement de Jésus-Christ, pour être digne
des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ, comme dit le texte liturgique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Gracia plena,
Frate, frate, nu vreau să-mi spun. Per omnia secola secolorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Solus un conam. Habemus ad Dominum. Gratias agamus. Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Fere dignum et justum est, cum et salutare. Nos tibi semper ubi gratias agere. Domine sancte patron impotens eterne Deus. Et in veneratione beate Maria semper vigenis canodare. Benedicere et predicare. Quietur in genitum tuum, Sancti Spiritus, omum ratione concede, et virginitate gloria permanente, lumen eterna mundo, et fudit Iesum Christum, Dominum nostrum. Per quem maiestatem tuam laudant angeli, adorant amina nationes, tremum potestates, et celicerumque virtutes ac beata serafim, socia exultatione concedas. Cum quibus et nostras voces, sur et mitiurias de peccamum, supplici confessione dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth, plenis concedit terra, gloria tua. Hosanna in excelsis.
Scopri peccatori vostri. Per omnia secola secolorum. Amen. Oremus, precepti salutaribus moniti, e divina institutione formati, oremus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitaribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a malo. Thank you.
Pater omnia saecula saeculorum. Amen. Fabza homini sit semper vobiscum. Ecum spiritu tuo. Agnus Dei, Christus Christ, peccator mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Vitoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, vitoris peccata mundi, nona nobis pacem. Fiti oggi un potente, Beato Maria Semper Virgine, Beato Maria Cangelo, Beato Gian Battista, Santis Apostoli Pietro e Paolo, Omnibus Santis et Frater, Quia Peccavi Misconversione per Punto Operi, mea culpa mea nativa culpa, Idro Peco Vea Paria Semper Virgine, Beato Maria Cangelo, Beato Maria Battista, Santis Apostoli Pietro e Paolo, Omnes sanctos te pater, ora repo mea dominus nostrum. Miseriatum et in potens Deus, et vicis peccati, 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 Domine non sum dignus suvet sacerdotem, semper cum diverbo est sacerdotem meum. Domine non sum dignus suvet sacerdotem, semper cum diverbo est sacerdotem meum.
Dominum solinus ad exercere spiritum meum. Sed tantum diabolis ad sanctum in nominum. Ecce viro concipiere. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nasces infunde, ut quangium sante Christi fitu in carationem coniopimus, per passionem meus et culcem a tes resurrem valiam per incarmo, per iondem damnum nostrum Iesu Christum filium tuum, qui te convivere da inatividate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Salutaris tui, Domine mune, satiati supplice de peccamur, ut cumus letamur custu, renovemur effectum. Per nomine nostrum Iesu Christum filium tuum, qui te convivere de nativitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo.
Ite missa est Deo gratias. Dedicat vos omnipotens Deus. Per pater et filius et spiritus et sanctus. Amen. Cum spiritu tu. Gloria tibi Domine. Numéro 173. Page 173, numéro 130. Page 173. Surgere qui curas populo, tu qui genovis dii, e natura mirate. Tuum sanctum genitore, e virgo prius, a posterius, Gabrielis amore, sumens illudave, peccatorum miserere.